Salut camarade, bon goûter à vous. Chaque fois que je vous dis bon goûter, il y a des gens dans les commentaires qui viennent dire oui, mais moi j'habite à machin, c'est pas l'heure de goûter, ou j'habite à truc, c'est pas l'heure de goûter. Premièrement, arrêtez d'inventer des pays, et deuxièmement, dans vos pays, à un moment, il sera forcément 16h. Votre pays, il n'est pas coincé à midi ou à 21h. Donc mes vidéos, vous les regardez quand il est 16h dans votre pays, c'est tout. Une fois que mes vidéos sont postées, elles restent là. Vous pouvez aller les regarder plus tard, c'est pas grave. Bande de cons! Bonne vidéo. Kennen. Younes n'apprend jamais de ses erreurs. Il continue de jouer Kennen. Le champion qui ne peut pas fonctionner. Le fameux. T'es pas censé être maudit du Kennen. Non, je suis pas maudit. Mon Kennen n'est pas maudit. C'est juste que le champion est nul en fait. Après Kennen démarrer, ne faudrait-il pas le skin Kennen s'arrête. C'est pas mal, Bernouille. Oh! Le dieu! Il y a toujours pas de ruban de mana à stacker, mais ils ont été humiliés. Q-Spell, il fait 75 points de dégâts magiques toutes les 8 secondes. Et c'est un skill shot en plus, c'est nul, hein, c'est franchement nul. Quelle idée, un sort aussi nul. Apprends à écrire. Okay. Une mort silencieuse, Kennen, alors parle pas. Il parle pour dire une mort silencieuse. C'est comme si tu gueulais minute de silence pendant une minute de silence. Bah ouais, Kennen, faut réfléchir. Oh non, ça recommence. Haya. Et paf, 45. Oh là, le bon petit sort qui inflige 45, miam. Younes trop fort pour le Sylas. Ah, j'ai rien fait moi. À part lui infliger 45, bien sûr. Il a utilisé tout son mana, il a une TP. Allez, une petite potion, parce que moi j'ai pas de TP. Je suis un champion qui a besoin de dégâts, moi. Sylas, il a certainement pas besoin de dégâts. Le champion, il peut jouer sans sort d'invocateur, il a besoin de rien. Il y a déjà tout dans le kit de sort. Et s'il te manque un truc, de toute façon, tu peux voler un ulti et hop, tu l'as. T'as besoin d'un ulti en AOE qui stun? Ah ouais. Ouais. Ensuite Kennen, vas-y. Merci pour le ping, je regardais pas du tout. Allez, tu back là. C'est bien ce que je me disais, tu vois. Et non, 42 de mieux en mieux. Oh. Oh là là. Et tiens. T'en veux encore de mes belles petites autos là? Alors ouais, c'est broken Sylas, mais quand même, lui il a back. Peut-être que si j'avais eu des items, il serait dead. 82, ok, je lui mets presque 10 CS. C'est pas mal, pour quelqu'un qui sait pas farmer. C'est peut-être aussi son cas. Vous avez vu, j'ai presque 10 saucissons. Je l'ai. Eh, hey, attends, tu t'es pas mal débrouillé, toi. Ok. Oh, ok, bon, j'ai eu un kill, c'est pas mal. Sylas aussi. J'ai failli dire la saucisse. Sylas aussi. Oh, j'ai fini la batteur à 11 minutes sur Kennen. C'est ouf, ça doit être un record. Quoi? Attends, il vient pas de prendre l'ulti de 7? C'est pour ça que j'ai engagé. Bien joué. Puis-je? Merci. J'y croyais pas. Attention, Sylas. Il a déjà son ulti rang 3 apparemment. Oh là là, mec, tu prends cher. Quel talent j'ai pour les skill shots. Heureusement qu'il a pas le même talent. Il touche un skill shot, je suis mort. Il a déjà eu le temps d'aller là pour tuer quelqu'un. Ça touche. Aïe! Bien joué, Jax. Le doublé facile. Ah non. Tout compte fait, non. Hein? Ah l'enfoiré! En fait c'est Seth qui ruine, c'est ça? Seth il fait des ultis tellement bizarres qu'on dirait que c'est l'ennemi qui les lance. C'est les ultis qui sont utiles aux ennemis. Là il l'a ulti dans votre équipe alors que le type a un ulti de Kennen. Namedi, non mais...
J'ai dit la vérité. Objectivement, c'était con ton ulti. T'as failli me tuer. Je les gèle. Hein? Paf! Fallait pas prendre cette hache. Toucher skill shot sur Draven, c'est vraiment le mode facile de League of Legends. Il y avait pas déjà flash? Mais les ennemis, ils ont combien de ça? Ils sont en Urf et pas nous. Le mode facile, c'est support. C'est vrai. Et alors, jouer un support à skill shot contre Draven, c'est le mode facile du mode facile. Je fais que farm mid dans cette game. Tout ce que je sais faire. Dès qu'il y a des ennemis qui viennent, ils flash out. Paf, 460. Il est pas bien ce Q-spell. Allez, un petit combat, un petit teamfight à me mettre sous la dent. Merde, j'ai fait Zhonya. Oh là là, loot play. Paf! C'est un loot play, mais je tue personne. Ah, dommage pour le Zhonya. J'ai l'habitude d'avoir la ceinture X-Tech en fait et d'engager avec. C'est la première fois que je joue Moissonneur Nocturne. Donc je fais des trucs bizarres à cause de ceci. Puis il est fou l'armure. Ça me tilt de faire si peu de dégâts. Un deuxième teamfight, c'est trop là. C'est trop d'action. Il y a un ulti de Garen. Pff, t'aurais pu trouver mieux pour un teamfight. Eh hey, mais on a tué tout le monde. Pas très visible cette zone de Nasus par contre. Je trouve que c'était un bel ulti. J'avais pas mon Zhonya. C'est vrai que c'est un peu dur de pas avoir ceinture X-Tech. Je trouve que c'est dur. Ça aide à mettre des beaux ultis. J'ai mis un bel ulti mais... Est-ce qu'il aurait pas été mieux avec une ceinture X-Tech? J'ai dit Kennen c'est sous-côté. Non je crois que c'est très très exactement côté comme ça doit l'être. C'est normalement côté. Ça a l'air fort comme ça, le champion a l'air fort mais une fois que tu le joues... Tu te rends compte que ça fait pas grand chose, hein, à moins d'avoir une bonne équipe, mais vous avez déjà joué à LoL, vous savez qu'on n'a jamais une bonne équipe. Les bonnes équipes, ça n'existe pas. Mon garçon, les bonnes équipes, ça n'existe pas. Imaginez le temps qu'il me faudrait pour tuer Nasus. Il a un item de résistance magique. Oh, belle ulti sur personne! Ceci dit, il manque beaucoup de membres de notre équipe, alors on va pas se battre. Mais belle ulti quand même, Léona. Paf, 252. Encore? T'en veux encore? T'en veux encore? Paf, 381. C'était pas sur Nasus. Il manque toujours beaucoup de membres de notre équipe. Je mets les CC, je poke un peu, mais pour un champion full AP, c'est quand même un peu triste, non? Je crois qu'il nous voit un V2. Enfin, il a le reste de l'équipe quand même, mais... Hop, stun, non, pas stun? Toujours avec son ulti de Garen, lui. Ah non, il l'a perdu. Bien joué. Waouh. C'est ouf. Waouh. Waouh, Jax, ça me surprend. C'est quoi la dernière fois que j'ai touché un sort, moi? Ok, on a plus de Jax, on est mort. J'ai quand même pu tuer quelqu'un. L'homme du Drake. Voilà qui devrait ajouter des dégâts. Ça va être 50% de mes dégâts, ça. 146 points de dégâts. Oh, oh, oh. Ça va faire des jolis procs. Oh oh, il a pris mon ulti, attention! On se barre! Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, et nul ne peut le nier. Tout à fait, tout à fait. Vous avez pris cher! Avouez, le fight avait l'air perdu.
Jusqu'à ce que Yoon s'arrive. Et paf! Oh là là, top dégâts en fait! C'est moi qui sous-estime Kennen depuis le début. Quelle langue de vipère ce Younes, quelle langue de vipère. Pardonnez-moi, je suis médisant envers ce pauvre Kennen.